La terre se transforme. La terre se transforme. L'érosion de la terre. La surface de la terre change continuellement. La surface de la terre est faite en roches. Le vent, l'eau et la glace usent les roches. Cela se nomme l'érosion. Avec le temps, le vent, l'eau et la glace usent la surface de la terre. L'érosion se produit de différentes façons. Le vent, l'eau et la glace causent l'érosion. Les êtres humains causent aussi l'érosion. Le vent cause l'érosion. L'eau cause l'érosion. Le vent. Le vent peut causer l'érosion. Quand le vent souffle dans le désert, il souffle du sable. Le sable est soufflé sur la roche. Avec le temps, la roche s'use. Le sable soufflé par le vent use la roche. L'eau. L'eau peut causer l'érosion. L'eau qui coule use le fond et les bords des cours d'eau. Avec le temps, le sable et les cailloux sont emportés et le cours d'eau change de parcours. L'eau use le fond et les bords de cette rivière. Les vagues frappent les falaises et elles les usent. Avant le temps, les falaises changent de forme. Des cavernes se forment dans le calcaire. Quand la pluie entre dans les fissures et dans les trous, elle use la roche. Avec le temps, des cavernes se forment. La pluie entre dans la roche s'use. Des cavernes se forment. La glace. La glace cause l'érosion. Un glacier est une rivière de glace qui bouge. Quand un glacier descend lentement d'une montagne, il entraîne de la roche. La glace et la roche usent le sol sous le glacier. Avec le temps, une vallée se forme. La glace et la roche usent le sol. Une vallée se forme. Les êtres humains. Les êtres humains peuvent eux aussi causer l'érosion. Les êtres humains causent l'érosion quand ils ne prennent pas soin du sol. Quand les êtres humains coupent tous les arbres, le sol se dessèche ou il est emporté. Cela se nomme l'érosion du sol. Le vent et la pluie emportent le sol. Quand il n'y a plus assez de sol, les plantes ne peuvent plus pousser. Nous pouvons prévenir l'érosion, nous pouvons planter des arbres et prendre soin du sol.